Bonjour, je vous fais un petit tour d'horizon des fleurs de la marque Florella qui sont revenues en boutique. Donc, je voulais vous montrer par exemple cette nouvelle teinte qui est dans les rouges un peu bordeaux lit de vin et qui se marie très bien avec cette couverture de chez Craft O'Clock. Donc, avec les papiers qui vont avec, bien sûr. Du coup, dans cette collection, ces teintes, vous avez ce format de fleurs, de 6 fleurs différentes avec 6 feuillages, donc en papier mûrier toujours, et vous avez ces petites fleurs aussi qui sont dans les tons rose, un peu rose pourpre. Pour comparer avec par exemple ce rose-ci, sur ce modèle, on a encore trois teintes différentes de rose. Donc ça, dans leur collection, il y a le petit format de fleurs, vous avez les fleurs de taille moyenne, donc un assortiment, et ensuite pareil les fleurs plus grosses avec le feuillage, donc toujours dans les mêmes tons. Ça c'est très intéressant, si vous aimez beaucoup les fleurs, ben, vous pouvez mettre les différentes tailles ensemble. Donc ça c'est pour les roses différents. Ensuite dans les mauves violets, on a ce format et celui-ci. Pour les bleus, alors là j'ai deux tons de bleu différents en fait. J'ai les bleus grisés, j'aime beaucoup, ça s'accorde avec beaucoup de papier. Donc la couleur est un peu cassée au niveau du bleu. Donc vous avez toujours le dégradé, ça fait gris bleuté. Voilà, donc vous avez pareil les mêmes formats. Dans celui-ci il y a différentes tailles de fleurs. Donc elles sont un peu collées les unes contre les autres. Donc vous avez des plus petites et des plus grandes. Il y en a encore cachées derrière. Vous avez après le bleu vraiment très bleu. Donc bleu et blanc qui va avec tous les papiers marins, bord de mer ou les papiers garçons aussi. Là donc j'ai pris aussi ce même format de fleurs que je trouve très joli. Et vraiment par rapport au prix c'est très intéressant. Donc là vous voyez la différence des bleus. Le bleu grisé et le bleu plus bleu de mer, quoi, outre-mer, dans les dégradés. Au niveau des roses, j'ai ce rose très très pâle aussi. Pour comparer avec les autres, voilà, je peux vous donner les références pour que vous les ayez par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Celui-ci, c'est le numéro qui finit par 032. Celui-ci, c'est le 005 et celui-ci c'est le 031. Donc voilà, on a un dégradé de rose, c'est vraiment différent. Et ensuite dans le blanc, ça c'est bien parce que vous pouvez vous-même le colorier avec un petit peu d'aquarelle. Vous avez ce format et encore le format des différentes tailles. Sinon, quoi d'autre? Sont arrivés dans la boutique les petites fioles de chez Stamperia pour vos albums Bedtime, pour la couverture qu'on fait en ce moment. Et les petites brassières rose et bleu. Donc ça y est, vous les attendiez depuis un moment, elles étaient en rupture chez le fournisseur. Et elles viennent de rentrer en boutique. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des fleurs. Eh bien, la boutique est ouverte tout l'été. Vous pouvez commander sans souci. N'oubliez pas de participer à notre deuxième tirage au sort du jeu pour gagner un lot d'embellissements et de papier scrap de la boutique. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt.